Bonsoir à toutes et à tous sur TF1 pour Sacrée Femme, et bien évidemment, vous l'imaginez ce soir, les femmes à l'honneur. Avec entre autres, pour représenter la chanson française, Patricia Cass. Pour représenter la comédie et le rire, Muriel Robin. Pour représenter le cœur et la générosité, Lynn Renault. Je recevrai également la seule comédienne française reconnue par ses pairs à Hollywood. J'aurai beaucoup d'honneur. Jeanne Moreau sera là ce soir parmi nous. Et puis, la chanteuse la plus populaire du siècle. En un petit peu plus de 15 ans, elle a vendu à travers le monde 100 millions d'albums. Elle fait étape ce soir à Paris pour vous. Voici Madonna, Sacrée Femme. Your heart is not open, so
Madonna et ses musiciens pour Sacrée Femme. Bonsoir Madonna. Bonsoir. Ah, ben voilà, une bonne nouvelle. On va pouvoir tenir cette conversation en français, non? Non, tu parles anglais avec moi, je parle français avec toi. Merci en tout cas. Merci en tout cas d'être là ce soir, parce que la dernière fois, Madonna, que vous êtes venue ici en France, c'était pour présenter votre nouveau bébé au mois de février, c'était Ray of Light. Alors, première question que je vous pose, c'est comment se porte-t-il ce nouveau bébé depuis le mois de février? Great. Très bien. Complain. Je n'ai pas à me plaindre, vraiment. 7 millions de disques, franchement, il n'y a rien à dire. Dites-moi, j'ai l'impression, Madonna, que tout de même, malgré tout, vos visites ici en Europe sont de plus en plus rapprochées. Est-ce que je me trompe ou pas? Yes, I've come here. Vous avez more raison, and more. C'est vrai que je viens de plus en plus souvent. And I enjoy Europe more et en and fait, more. J'aime énormément venir en Europe, ça me plaît de and plus actually, en plus. I don't care about promoting et en fait, la promotion de Bodhisk, ça m'est égal. Ce qui me plaît, c'est d'être it's, en France. It's just an excuse to be c'est une excuse, en fait. Ben, je l'ai bien compris, donc on profite, nous, de cette excuse. J'ai entendu dire que peut-être un jour prochain, vous habiteriez Londres pour avoir la faculté de venir passer beaucoup de week-ends ici en France et à Paris, c'est vrai? C'est vrai. Ah. Une autre question que j'aimerais vous poser, en sachant que vous allez passer une grande partie de la soirée avec nous, Madonna. J'ai des surprises, des invités à vous faire découvrir. J'espère que vous les accepterez et qu'ils, oui, en effet, qu'ils vous feront plaisir. C'est que, et votre album, et votre tenue laissent à penser que, pardon, mais vous êtes devenu beaucoup plus sage. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que Madonna, maintenant, est un petit peu plus sage que par le passé? Non. Bien, ben moi je sais tout, je sais absolument tout. Vous aimez la musique cubaine? Vous aimez la musique cubaine automatiquement? Oui, j'adore. Ah ben voilà, ben on va écouter un petit peu de musique cubaine, let's vous voulez it. Bien? Allez, je vous propose de retrouver un groupe qui a chanté un des grands succès de cet été, ça s'appelait La Charanga, vous vous souvenez de La Charanga, c'est une nouvelle chanson. Cuba est là, elle est belle comme ça. Restez avec nous, Madonna. Thank you.
Sacrée Femme, avec de la musique, des chansons, des invités. Alors, Madonna, j'ai un premier cadeau à vous faire, si vous êtes d'accord. Je sais que c'est un cadeau qui devrait vous faire immensément plaisir, puisque plusieurs fois, vous avez souhaité la rencontrer. Elle a dit à 17 ans quelque chose d'exceptionnel, et je pense que vous auriez pu le dire. Elle a dit « Je serai exceptionnel ou rien du tout ». Déjà, c'est quand même, il fallait être sacrément gonflé à 17 ans de dire « Je serai exceptionnel ou rien du tout ». Eh bien, elle est exceptionnelle, et ce soir, elle a accepté notre invitation pour être à vos côtés. Je vous demande d'accueillir Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Vous êtes très belle. Thank you. Well, see. Take your microphone, please. Vous êtes mon actrice préférée partout. C'est un grand privilège pour moi. Je suis tellement heureuse. Me too, I'm very happy. Moi aussi, je suis très heureuse. Et plusieurs fois, nous avons failli nous rencontrer et on s'est toujours raté. Oui. Vous vous souvenez à Cannes où je vous ai attendue presque toute la nuit? Oui, je m'en souviens bien. Terrible. C'est une habitude que j'ai. Oui. Madonna, dites-moi ce que vous pensez de Jeanne Moreau. Est-ce qu'elle représente pour vous dans le cinéma mondial? Je crois qu'elle a toujours été une femme extrêmement moderne. Moderne dans sa pensée. En fait, c'est un mélange, c'est une combinaison de force et de vulnérabilité que je trouve parfaite. Bon, alors, puisqu'on est là pour se dire des compliments, sinon vous ne m'auriez pas pu venir. Bien entendu, il faut en profiter, je vais vous demander de dire des compliments sur Madonna. Moi, ce que j'aime chez Madonna, c'est qu'elle représente toutes les évolutions de la femme. J'ai aimé son arrogance, son obstination, la façon dont elle a exprimé avec exactitude et beauté les pulsions sexuelles. La façon dont elle a exprimé l'amour, la nostalgie, et puis toute son évolution de femme, je la trouve exemplaire. Voilà. Nous allons, Jeanne, faire plaisir à Madonna, et puis nous faire plaisir, puisque il y a quelques semaines, vos pères à Hollywood vous ont consacré, vous ont honoré un Oscar. Je crois que vous êtes la seule actrice française à avoir reçu cette distinction des mains de Sharon Stone il y a quelques semaines. Et si vous le voulez bien, pour le plaisir de tous, nous allons ensemble regarder quelques images de votre carrière cinématographique. Jeanne Moreau, en images, regardez. Embrasse-moi. Je t'attendrai à la terrasse du Royal Camé, comme d'habitude. Quand tout sera fini, tu prendras ta grosse voiture, tu t'arrêteras en face. Je monterai à côté de toi. Et nous serons libres. Libres, Julien. Pas mal, pas mal du tout. Une ombre de moustache, peut-être. Et maintenant, l'épreuve de la rue. Pardon, monsieur. Voudriez-vous me donner du feu, s'il vous plaît? C'est très bien. Et vous aimeriez que je vous en montre d'autres? D'autres? Oh, je crois qu'avec celle-ci. Mais des vernis. Ah? Des très, très vernis. Mais oui, monsieur. Et en cuir jaune. Oh, en cuir jaune. Comment? Mais ce sont les plus belles en cuir jaune. J'en ai, vous verrez, vous finirez par les aimer plus que les autres. Je vous remercie, monsieur. Et c'est ainsi que, grisé de champagne, en découvrant ce galant paradis, oh, jeu de l'amour, à tous les coups l'on gagne, puisque Paris toujours sera Paris, puisque Paris toujours sera Paris.
Laisse-toi guider par le plaisir. Ton plaisir de femme. Et n'oublie pas, il y a deux choses qui sont sans limite. La féminité et les moyens d'en abuser. En vous regardant, mon estomac se noue au point que je me demande si je vais dîner. Si vous ne désirez pas dîner, abominable vieillard glauque et fripé, allez vous faire foutre. Ne tenez que par l'amidon de votre chemise et le pli de votre pantalon. Il ne vous suffit pas de n'être plus aimé. Vous cherchez absolument à vous faire haïr. Rassurez-vous, vieux mou, vous êtes sur la bonne voie. Si ce détrousseur de fossiles vient habiter à la maison, je partirai. Quelques images, peu d'images par rapport à vos 50 ans de cinéma, chère Jeanne. Vous disiez que les Américains aiment les gens qui durent. Ah, c'est vrai. Quelle impression cela vous a fait d'être honoré par vos pères devant tout Hollywood des mains de Charles Manson? D'abord, ça m'a énormément intimidée parce que je trouvais que l'événement dépassait un peu l'objet. Et puis tout d'un coup, je me suis souvenue que si j'étais là, c'est à cause de tous les gens magnifiques avec lesquels j'avais travaillé, pas seulement les plus connus, pas seulement les gens spectaculaires, mais tous ceux qui forment une équipe, et que cet hommage à travers moi leur revenait. Est-ce que vous avez pensé, lorsque vous êtes arrivé à Hollywood, à la première réaction de votre papa lorsque vous lui avez dit que vous vouliez faire du cinéma? Ah non, je dois dire que non. Qu'est-ce qu'il a fait quand vous lui avez dit ça? Il était furieux. Il m'a traité comme si j'avais décidé d'être putain. Mais je m'aperçois que sa réaction a été un élément provocateur, que ça m'a forcé à vouloir prouver toujours quelque chose. Je vous demande d'applaudir Jeanne Moreau, Madonna, qui sont là ce soir. On va bien sûr... Je suis très heureux de cette rencontre parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, plusieurs fois, vous vous êtes loupé et je suis très, très, très content que l'émotion paraisse d'un côté comme de l'autre. Madonna et Jeanne Moreau. Je crois, on va redevenir futile, Madonna, je crois que la dernière fois, vous n'aviez pas la même teinte de cheveux, ou je me trompe, au mois de février, c'est vrai, non? Ça, c'est ma vraie couleur, finalement. Ah. C'est ma couleur, en tout cas. J'ai eu toutes les couleurs qui soient, les cheveux. Maintenant, j'essaye de recommencer, j'ai tout recommencé. Vous voulez qu'on regarde un petit peu la chanson que vous aviez enregistrée chez nous la dernière fois? C'était Frozen, bien sûr, un extrait de cet album que vous nous présentiez. Alors regardez, c'était Madonna, chez vous, dans les années tubes, au mois de février, à quelques mois de cela. Frozen, when your heart's not open.
Comme ce soir, vous filmez il y a quelques mois. Madonna, vous restez avec nous, bien sûr, pendant encore un long moment. J'ai encore d'autres cadeaux, d'autres surprises à vous faire. Et bien sûr, Jeanne Moreau, à nouveau, viendra nous rejoindre. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour Sacrée Femme. A tout de suite. Chère Madonna, tout à l'heure, lorsque je vous disais que votre album et votre tenue étaient un petit peu différentes de celles qu'on avait connues, vous m'aviez répondu. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un petit peu, à travers quelques images que nous avons comme ça, glanées de ci, de là, les quelques... Yes. Ça vous fait plaisir, hein? Dites-moi que ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir? Très bien. Donc, vous pouvez le constater sur ce beau jupon que ça fait énormément plaisir à Madonna. Et j'aurai peut-être après, Madonna, un coupable à vous présenter. Alors, regardez, images, et ensuite, nous verrons. Thank you.
Gauthier. Je m'assois là. Bien. Bonsoir. Ça va. Bienvenue. Alors, franchement, lorsque j'ai proposé, vous l'avez entendu, à Madonna de revoir ses images, elle a dit non. Donc c'est vous le coupable, c'est vous le responsable. C'est moi, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, mais à culpa. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Non, je croyais que vous alliez me montrer des images absolument horribles de mon passé. Je suis fière de tout, de tout ce que je porte de Jean-Paul. Comment vous êtes rencontrés tous les deux, dites-moi? Vous en souvenez? Moi, je l'ai vue avant qu'elle me voie. Je l'ai vue la première fois, c'était au MTV Award, la première fois qu'elle a chanté « Like a Virgin ». Et c'était extraordinaire, parce qu'il y avait... le public américain, je veux dire, des professionnels, était plutôt un petit peu froid, parce qu'elle avait une prestation extraordinaire, je dois dire. Et par contre, il y avait quand même des fans dont je faisais partie, qui étaient là, hurlaient. Et elle avait une force, une présence extraordinaire. Déjà, j'avais remarqué comment elle s'habillait déjà très très bien, elle était très belle, et j'adorais Holiday, je suis un fan, à la base. Ouais. Et puis après, on s'est vu une fois, je crois, après le premier concert à Paris qui était à Sceaux, je lui ai dit bonjour, tout intimidé. Et puis après, un jour, j'ai eu un coup de fil de Madonna. What did I say? Une chose qui était incroyable, c'est que tu n'étais... c'était juste après ton concert, c'est-à-dire que le concert avait eu lieu 2 heures de concert, et tout de suite après, tu étais directement au Palace, ça avait lieu au Palace, et tu étais fraîche comme une rose, et comme ça, en pleine forme et tout, et tu m'as dit bonjour, que tu aimais bien aussi ce que je faisais, et voilà, mais j'étais tremblant, je suis parti en courant tellement j'avais peur. C'est vous donc, Madonna, qui avez demandé pour la première fois à Jean-Paul de vous habiller, de faire quelque chose pour vous, une création, c'est ça? Yes, absolutely. Oui, tout à fait. Mais enfin, il faut dire une chose aussi. Je me suis mise à genoux, en fait, je l'ai imploré. Non, c'est pas tout à fait le cas, il faut dire. Mais ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Mais qui a poussé l'autre vers l'exubérance un petit peu? Parce qu'on a vu dans ses tenues qui sont exceptionnelles, drôles, originales, etc. Je crois que c'est la personnalité de Madonna, c'est ça. En fait, on a une bonne collaboration tous les deux. Parce que il a un sens de la tradition, il a un sens du classique, et puis il a également le sens de la provocation. Et il pousse un peu les choses. Et moi aussi, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'entend bien. Et puis par ailleurs, c'est quelqu'un qui aime faire des vêtements qui provoque un débat, une discussion sur la politique, sur les préférences sexuelles, sur la liberté. Et moi aussi. Et je dois dire que pour moi, c'était une véritable histoire d'amour et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Alors, justement, parlons de l'évolution des tenues. Oui. On va se marier d'ailleurs. Très bien. Alors écoutez, nous on sera là en tout cas. C'est le scoop de la soirée, mesdames, messieurs. Vous venez de vivre un moment exceptionnel. Une demande en mariage de Madonna vers Jean-Paul Gauthier. Vous suivez l'évolution de la carte de Madonna? Non, c'est lui qui m'a demandé. Ah, c'est vous qui... Pardonnez-moi. Bon. Il y a très longtemps. Et tous les ans, je refuse. Plusieurs fois, tu as refusé. Oui, parce qu'en fait, j'attends qu'il grandisse. Il est très jeune, très immature. Est-ce que vous voulez peut-être, Jean-Paul, reformuler la demande ce soir? On ne sait jamais, elle peut dire oui. Je viens de le faire, là. Oui. Madonna, tu sais très bien. On my knees. Yes. Bon. À genoux. Madonna, veux-tu me prendre pour époux? La réponse. You make my wedding dress. Si tu fais ma robe de mariée. Bon, alors je pars tout de suite la faire. Non, je disais que vous suiviez l'évolution. Cette robe, par exemple, est fondamentalement différente de celle que vous avez pu faire jusqu'à présent pour Madonna, n'est-ce pas? Oui, mais ça fait partie aussi de l'évolution, de mon évolution et de son évolution. C'est ça aussi, je crois, non? Qui veut faire la même chose tout le temps? Ça n'amuse personne. Il faut changer, il faut évoluer, avancer. Pourquoi vous n'avez pas choisi un Américain? Vous aussi, il faut changer un peu. Il ne le fait pas. Je vais me mettre en polo, en t-shirt marin comme Jean-Paul, je crois que ça irait bien. En tout cas, si on inversait les tenues ce soir, ça serait exceptionnel. Il faut que vous portiez du Gauthier. Il vous fera un rabais. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, je vous présente... 30%, je dirais. Non, 20, ça suffit. Je vous demandais de venir négocier pour moi dans toutes les boutiques à Paris. Mon cher Jean-Paul, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir. Vous restez avec nous. Je vais vous faire un cadeau, Madonna, encore une fois, si vous voulez bien. C'est une interprète que vous aimez, aussi, qui est française. Elle va chanter une chanson d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Édith Piaf. Et c'est Patricia Cass qui chante pour vous ce soir.
Et je vous demande simplement de l'applaudir et ensuite elle viendra nous rejoindre. Patricia Cass, La vie en rose. Merci Jean-Paul. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Je ne pense pas beaucoup me tromper. Alors, je vais vous demander aussi, Patricia, de parler en français, bien que vous parliez parfaitement l'anglais. Oui, non, c'est vrai que en fait, je connais très bien, parce que j'adore et toutes les chansons, tout ce qu'elle fait, tout l'image, tout ça, et j'ai vu le Girly Show plusieurs fois et j'ai piqué l'idée du grand rideau, mais bon, faut pas lui dire parce que et son petit t-shirt rayé, tout ça, parce que j'adore et vraiment d'être là. Alors pour le petit t-shirt, Patricia, pour le petit t-shirt rayé, j'ai des prix. Vous viendrez me voir, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis peut-être que votre rêve un jour, ce serait de chanter toutes les deux, non? Bah oui, bah justement, j'ai commencé mon nouvel album et puis je m'étais dit, tiens, mon rêve, mon plus grand rêve, ce serait de chanter avec elle. Mais c'est vrai que c'est tellement un rêve qu'on n'y croit pas. Et maintenant d'être là et de me dire, bon bah... I have an idea. J'ai une idée. We could sing Je t'aime moi non plus. On pourrait chanter Je t'aime moi non plus ensemble. À n'importe quelle chanson. Merci en tout cas d'être venu ce soir. Donc peut-être que la prochaine fois, vous viendrez chanter toutes les deux, hein, bien entendu, habillant Jean-Paul Gaultier, puisque la négociation a été faite. Merci Patricia. Elles sont de Manchester, écoutez bien. Elles ont 16, 15 et 13 ans. Je crois que c'est vous, Madonna, qui les avez présentées au public américain. Elles s'appellent Cléopatra. Vous voulez qu'on les écoute et qu'on les applaudisse? Oui, Cléopatra. I want you back, Cléopatra. Oh,
I want you back, c'était Cléopatra. Madonna est notre invitée d'honneur ce soir. Vous allez dans un instant nous proposer une autre tenue de Jean-Paul Gaultier et une autre chanson extraite de votre album. Vous restez avec nous. Sacré Fab ce soir sur TF1. Nous nous retrouvons avec nos invités tout de suite après la pub. À tout de suite. Crowded rooms, feeling so alone. I had
Merci beaucoup Madonna d'être venue ce soir dans notre show. Et puis on espère de tout cœur qu'on pourra vous applaudir cet été en juin, en juillet, sur une scène en France. Thank you very much. Thank Madonna. You. Thank you guys. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite de Sacré Femme. À tout de suite.